Bon, maintenant, ce qu'on fait, on va aller plus bas. Partons un peu plus en profondeur. Ah là, c'est pas la même ambiance, hein, déjà. Oh, c'est pas un portail d'auberge, j'entends un gros bruit là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est pas le même bruit ici! Ils ont l'air un peu plus gros ici! Ah, y a un truc à côté de moi là, non? C'est incroyable! C'est trop beau, putain! C'est un truc de dingue! Module de fabrication de l'aquatracteur. Mais c'est trop bien! On va pouvoir crafter des trucs! Oh, mais laisse tomber, mais je veux vraiment avoir un minibus, quoi. Ça va être trop bien. Oh là là, oh là là, oh là là! J'entends un truc, mais il doit y avoir... Module de stockage. Oh, on a déjà ça. Putain, regardez tout ce qu'il y a ici. Mais je suis trop content, en fait. Mais vraiment, mais... C'est vrai que j'ai râlé au début de l'aventure et je m'en excuse encore, hein. Mais c'est ça que j'attendais en fait. J'attendais en fait d'avoir le recycleur et d'avoir la bouteille d'oxygène pour pouvoir jouer en fait. Et pas être en PLS H24 quoi. Et là du coup ouais c'est là c'est... Ça y est. Là on est vraiment en train de jouer quoi. Bon, on est en train de jouer. On est plus en train de galérer. Bah là en plus t'as même pas besoin de retourner à ton véhicule. Avec toutes les plantes qu'il y a partout là tu peux explorer tranquille sans stress. C'est trop bien. Module de fabrication de l'aquatracteur. Trop cool. Je trouve que ce subotica est plus généreux niveau fragments. Il y en a partout. Ah putain! C'est quoi? Lâche-moi! Il m'a fait tellement flipper. On regardera du coup la bio de la créature après. Hein. Putain, je m'attendais pas à me faire choper comme ça. Ah putain, il m'a rechopé encore. Lâche-moi, lâche-moi, sale bait. No danger. Qu'est-ce qu'on a ici du coup? Des diamants? Ah, oh, trop bien. Quoi? Comment ça mon inventaire est plein déjà? Attendez, il y a un passage ici avec une base extraterrestre encore. Regardez, incroyable! What? Vous avez trouvé bien plus qu'un simple interfuck. Il m'aidera à suivre les traces qu'ont laissé les miens sur cette planète. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Si vous continuez à chercher, je pourrai probablement retrouver petit à petit ma connexion avec le réseau. Ouais, j'ai besoin d'oxygène. Attends, vite, oxygène, là, oxygène. Il est où mon tracteur, là? Ok, il est là, c'est bon, il est à côté. Oh, waouh, il est un peu loin, quand même. Oxygène. Vite! La plante magique! Warning. 30 seconds of oxygen. Non mais je suis au courant, t'inquiète. Y'a un truc énorme à mon avis dans les parages là. Mais je le vois pas. J'ai la même réaction que toi. Il m'a encore envoyé un message. Attends, mais laisse-moi le temps de déposer mes objets là dans le truc, s'il te plaît, non? People communicate if you are not networked. What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private,
and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine 1,000 strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. J'ai pas encore vidé mes poches. Hein. Allez, on vide tout, on jette tout là-dedans, tac. 3 cubes ioniques, hein. Les piles. Bah, ce stockage-là est plein, du coup, nickel. Il n'y a pas besoin de nommer les casiers. On fera un autre. J'aurai pas le choix, je serai obligé de faire du coup. Un autre module avec des casiers. Hein. Un autre module de stockage. Module de stockage. Stop, on arrête de ramasser du titane. Ça sert à rien. Putain. Et il faut que je retrouve du coup la zone extraterrestre. On fera une vidéo setup prochainement, je pense. Ouais. J'ai pas de date encore, mais j'aimerais en faire une, ouais. La seule chose qui me manque, c'est du temps, malheureusement, mon poulet. Le temps passe tellement vite, en vrai. Ah, je vais récupérer les sacs gélatineux, je vais les manger. Est-ce que ça me rend un peu d'oxygène, d'ailleurs? Je crois que ça me rend de l'oxygène. Tu as combien d'oxygène là? 108. Ça me rend pas d'oxygène. Lithium. 2 diamants, cool. Ouais, comme ça on s'alimente au passage. Voilà, je crois que c'est ici. C'est bon, j'ai retrouvé. En faisant le tour tranquillou, on a retrouvé. Et là, on va pouvoir prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Ok, on a récupéré un autre cube ionique au passage. L'artefact architecte. Fragment, module de stockage, on s'en fout. New technology acquired. Nouveau schéma synthétisé, casier quantique. Casier quantique. What? Casier quantique? Que ça rend grand chose, hein. Ça rend un petit peu, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas énorme. Titane. Une autre plante à outils. Oh bordel, il est là-haut. Il est là-haut, il est là-haut. Vous l'avez vu? Oh putain. Ça fait peur. Putain, le bruit, il est tellement flippant, quoi. Putain. Non, tes yeux. Je peux scanner ça? Ok, et vraiment après on va analyser du coup tout ce qu'on a scanné, parce qu'on a scanné beaucoup de trucs là quand même. On va analyser brièvement, hein, on va pas lire tout. Ah, à force de ramasser ça du coup et de le manger, c'est bien là. Niveau vie là, on est bien. Un petit peu de lithium. Ah, c'est bon niveau, je suis bien.
Ah, c'est vrai que j'ai la tuer, il faut quand même les consommer rapidement. Hein. Quoique, non, ça a l'air de. Ça a l'air de se conserver. Y'a pas de timer à côté. Les bruits sont horribles, ça m'horrifie quand tu joues. Quand je joue. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est. L'ambiance est dingue, hein. On est d'accord. Hein. L'ambiance est vraiment dingue. Où que tu sois, t'entends des bruits et tout à chaque fois. C'est... Apparemment, si tu coupes la musique, t'es encore plus en immersion. Tu coupes juste la musique, tu vois, tu laisses juste les sons ambiants et tout. Fabrication. Imhotep, du coup, on va pouvoir construire. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Allez, on peut aller encore plus bas là. Je crois qu'on aura exploré à fond tout ce biome. Hein. On peut scanner ça? Putain, une veine. Oh, c'est trop boss. Y'a encore une veine là. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Je suis dans la merde, il me faut une plante. Ok, cool, j'ai une plante, c'est bon. Oxygen. Ouais, ouais, c'est cool, j'ai une plante. Et par contre, je suis un peu dans la merde quand même. Meurs. Il m'en faut une autre. Ah, il y en a une là-bas là. Oh putain, il y a le poisson là qui est là. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ça, c'est ouf ça. Ces trucs d'oxygène là, c'est trop bien. Ça te permet vraiment de faire ton. De vraiment découvrir sans trop te stresser, sans avoir à. Tu peux en fait. En fait, ça. Tu te permets de prendre des risques en fait grâce à ça. Tu te permets de prendre des risques, chose que tu pouvais pas faire dans d'autres Subnautica. Tu pouvais pas te permettre donc d'aller vraiment explorer et de te mettre en danger. Là, je me permets de me mettre en danger parce que je sais que je peux trouver des trucs à oxygène sur la route, c'est trop bien. Et ça rajoute un truc vraiment sympa dans le jeu, ouais. Ouais, niveau diamant, je pense qu'on est bien quand même là. Hein, on est full là, ça y est, on peut plus récupérer grand chose. Ok, on est full les amis. Salut Missip, ça va et toi? Tu vas bien? T'es riche avec tous ces diamants. Putain, grave. J'avoue qu'on s'est mis bien là avec tous ces diamants, c'est cool. De ce côté-là, on en aura plus besoin. Enfin, si, on en aura besoin peut-être plus tard, mais. Pour l'instant, quoi. Question maintenant, c'est mon tracteur, il est où? En fait, il est à côté. Oh putain, il m'a vu! Oh! La vache! Oh putain! Oh la vache! Le tracteur il est juste à côté. L'aquatracteur est juste à côté. Bah c'est trop cool, on a bien fouillé le biome là. Je pense qu'on a fouillé le biome à 100% presque là. C'est nickel. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je propose de back home là du coup. Hein, on va rentrer à la base et on va faire du coup un autre module donc de stockage et un autre module donc de. Le fameux module du coup qui va nous permettre de craft. J'ai l'impression qu'on peut pas aller plus bas ici. On est vraiment allé le plus bas possible hein, je crois. 300 mètres. Ouais, on est allé au bout hein, je crois. Tu attends là. On est allé tout en bas, ouais. Cette zone est magnifique. C'est vraiment une zone incroyable. Oh putain!
Là, je te reconnais quand tu dis back home. Ouais, back to the safe, back home. Ah, c'est vrai que c'est mes expressions, ça. Eh, franchement, cette zone, elle est... Waouh. Ah, il y a moins de couleurs, déjà, ici. Toujours ces fragments de Cyclide. Save. On est bien d'accord. Pourquoi t'as pas fait pour l'exclamation save? Bah, qu'il est temps de sauvegarder. J'aime bien entendre cette petite phrase. Bah. C'est une commande de Modo, je crois. Mais les VIP aussi peuvent le faire normalement, non? Peuvent pas? Essaye de le faire, Imhotep, pour voir. Modo Dandy. Ok. J'essaierai de voir si je peux pas l'activer aussi pour les VIP. Oh putain, il va falloir repenser là. Là, il va falloir refaire les choses parce que là, en vrai, j'ai plus de la place de stocker ici. Attends, je réfléchis deux secondes. Ah, il faut que je me réorganise. D'urgence, on va. Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup de pierres. Ici, on va mettre toutes les pierres de base. Ouais. Dans le couloir, on va mettre les pierres un peu plus rares. Donc là, il va me falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de titane. Pas de soucis. Donc là on met tout le diamant. En face aussi. On mettra tout le diamant. Voilà, comme ça c'est parallèle, c'est bien, nickel. Tac. Désolé, avec le clavier en anglais, c'est pas simple. Ensuite. Je vais récupérer tout ce qu'il y a ici. Ah, il faut qu'on soit bien organisé, hein. Sinon, ouais, ça va être le bordel. Je fais quoi? Je fais deux armoires remplies à bloc. Ça devrait suffire, je pense. Là, si t'as deux armoires qui sont remplies à bloc, c'est bien, hein. Ouais, deux armoires comme ça. Ici, on va mettre le lithium. Ça peut être cool aussi. Pourquoi tu ne fais pas de grandes armoires? J'aime pas. Ça prend trop de place. Et là, tu peux l'accrocher au mur, tu vois. Je trouve que c'est mieux. Tu peux directement mettre le nom. Sur les grandes armoires, tu peux pas mettre le nom, en fait. Ça, c'est un truc que j'aime pas. La grande armoire, tu peux pas mettre le nom. T'es obligé de faire une étiquette en plus. Ça coûte beaucoup pour ça, quoi. Là, tu vois, deux de titane, hop, c'est bon, c'est réglé, j'ai mon armoire direct. Je trouve que c'est mieux. Tu devrais faire une grande pièce de stockage au lieu de mettre ça dans les corridors. C'est vrai qu'on a la possibilité de faire une grande salle aussi. Ouais, putain, vous avez raison. Ah ouais, la grande pièce, la grande salle, on est d'accord, c'est vrai. En plus, pour le coup, ça coûte pas grand-chose de faire une grande pièce. Je trouve ça cool, en vrai, le stockage dans le couloir. Je trouve pas ça déconnant, parce qu'en vrai, tu vois, le couloir, qu'est-ce qui se passe dans le couloir? Tu fais pas grand-chose dans le couloir. Là, tu vois, je mets mon stockage ici. Là, je prépare tout.
Non, je suis bien ici. En vrai. On fera une base plus tard. Là, pour l'instant, on se concentre surtout sur la... On se concentre surtout sur la... Sur tout ce qui est exploration pour l'instant. On fera vraiment une vraie base. Une vraie belle base plus tard. Tac, voilà. Donc, le diamant, diamant, lithium. On met lithium en face aussi. Nickel. On va déplacer du coup tout le lithium qui est là. Hop, on va aller récupérer donc ce qu'on a dans notre véhicule. Là t'es en mode pratique et non esthétique, c'est ça. Là je suis plus en mode, voilà. On va pas perdre de temps du coup à faire une déco de dingue dans notre base de toute manière. C'est pas très important pour l'instant. Plus tard ouais, on fera un truc canon. Un petit peu plus tard. Les palmes de charge, c'est la vie, hein. C'est juste trop bien. C'est genre maintenant, les piles, je m'en fous, quoi. J'ai plus à stresser pour mes piles, c'est juste trop bien, c'est abusé. Salut Naga, tu vas bien? Ça roule ou quoi, poulet? Ah, je peux la craft? Ouais. Je peux plus en faire? Ok, est-ce que je peux la faire à 100%? On peut la faire à 50% seulement. On va faire donc une catégorie rare. Juste ici. On va faire la catégorie rubis. Lithium, maintenant on va mettre les rubis. J'ai pas récupéré de rubis malheureusement. C'est pas très grave. On va mettre le point ici. C'est du quartz. Ah! Arrête de fouiller là! Arrête de vouloir changer le nom du truc! C'est pas vrai! Dans le verre, nickel. Passer en coup de vent. Je passe en coup de vent, mais pas pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur! Parfait! Merci pour le resub, Naga, ça fait grave plaisir! Merci beaucoup, Paulet. Un grand merci à toi, merci pour le soutien, Paulet. Je trouve très bien que tu aies pas besoin de sélectionner l'objet. Vu que tu peux construire maintenant, ça se fait automatiquement. Oui, c'est trop bien quand tu veux construire en chaîne, c'est trop cool, ouais. Je trouve ça pratique, ouais. Merci beaucoup pour le resub, Naga, ça fait grave plaisir, mon poulet. Merci pour le soutien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de boss, ça roule ou quoi? Tu vas bien? Même si tu passes en coup de vent. C'est un joli coup de vent, quand même, avec le resub et tout, ça fait grave plaisir. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Tac. J'ai plus de place là? Ok. Les rubis, on va pouvoir les stocker ici du coup, c'est nickel. Tac. Rubis. Voilà. Ziou! Guérisseur pour son 14e mois! Merci beaucoup pour le resub, Ziou. Un grand merci à toi, tu vas bien? T'as la magnétite. 14e mois déjà, c'est insane. Merci beaucoup, hein. Et monsieur Béraud! Monsieur Béraudard qui nous raid! Merci beaucoup pour le raid, Béraud! Comment s'est passé ton live, dis-moi, tu vas bien? Du nickel. La catégorie bio qui est là. On va également donc mettre les œufs. Ah, la catégorie bio, elle est déjà presque full, hein. Attention, hein. Ouais, mais ça, c'est bien. Vous voyez tous ces échantillons de corail plat? C'est cool. C'est pas que c'est galère à trouver, mais c'est pas dans mon biome de base, et surtout c'est pas groupé comme dans la première aventure Subnautica, où quand tu trouves des échantillons de corail plat, t'en trouves plein. Pareil pour les champis. Les champis, tu les trouves du coup par bloc de 10, donc c'est simple. Les plantes à ruban, c'est un peu plus rare quand même, donc je kifferais me faire un petit stock de plantes à ruban, histoire d'être vraiment tranquille, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Jio, merci à toi. Salut Béraud, tu vas bien? Tu vois comment se passe ton stream? Ça roule ou quoi? Salut Ornitopin. Très bien, pas besoin de sélectionner l'objet, si tu veux construire, c'est automatique. Ouais, j'ai déjà vu le message du coup. Ça c'est cool, ouais, effectivement, ouais. T'as pas besoin de resélectionner l'objet et ça c'est vraiment... Vraiment pratique, ouais. Là on commence à voir le jour, là, c'est un petit peu mieux, c'est moi le bordel. Donc ces étagères-là, on va pas les démonter. On va en avoir besoin. On va les rename juste.
On va faire une catégorie avec full titane. Ici, ça va être que du titane. Ici, ça va être argent. Deux étagères argent. On va détruire ces trois étagères et les recraft correctement pour qu'on puisse en avoir quatre. On va faire argent, argent, or, or. Ici, on va faire plomb, plomb. Là, je sais pas, on peut faire bio, bio. De catégorie bio. Voilà. Là, ça sera donc les objets un peu plus rares. Et là, déjà, on sera mieux. On sera mieux organisé. Donc, le titane, je peux le récupérer. Là, je la colle vraiment bien. Voilà, nickel. On va les rename tout de suite. Voilà, double catégorie argent. Je vais déplacer ça ici en attendant. C'est pas grave, c'est juste que j'ai plus de place dans l'inventaire. Tac, on met ça ici, là. Ah, j'ai bu de l'eau là, non? Ça fait un bruit comme si j'avais bu de l'eau. J'ai déterminé en passant d'une technologie majeure, je vous prie d'aller investiguer. Ah, c'est trop bien! Il me donne du coup des endroits où aller. Ah, trop cool! Il me donne des objectifs, c'est ça qui me manquait. Signore ce que nous allons trouver. Je sais seulement que c'est important. Localisation du signal téléchargé sur le PDA. C'est trop cool! C'est trop bien! Je suis pas beaucoup de streamers, les autres Mitsu sont pas en live. Il n'y a pas de souci. Merci pour le raid, poulet. T'inquiète, il n'y a aucun souci, Véro. T'étais sur quel jeu, dis-moi aujourd'hui, du coup, Véro? Je vais aller manger mon live. Bon appétit. Voilà, pas toi. T'étais sur Ark ce matin? Je peux la détruire? Horizon Zero Dawn, toujours. Nice. Tu en es où dans Horizon, dis-moi? Dans ton aventure. Parce que c'est vrai que je l'ai fait également en stream il y a quelques temps de ça. Je vais être obligé de détruire la plante. Oh non. Attendez, je récupère. Je récupère deux. On la détruit. Ah ouais, elle m'empêchait de construire du coup. C'est pas le bon endroit pour mettre la plante de toute manière. La plante, on la mettra dans une autre pièce. Genre ici, ça pourrait être bien. Dans cette pièce. Ah non, ici c'est une. Je pense pas que ce soit le bon endroit. Tac. Or et or, ok. Ici on a... Ah, il y a le cuivre aussi qu'il faut que je stocke. Donc là on va mettre plomb. Non, on va mettre cuivre. Cuivre c'est bien. Ici on met cuivre. Encore. Ici on met plomb. Voilà, du plomb. Et là aussi on met du plomb. Ah putain, c'est galère. Tac, est-ce que j'ai du plomb là? Voilà, nickel, on va le mettre là, tout de suite. Parfait. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose là. Ah, c'est cool. Derrière, on va faire donc la catégorie bio. On va faire une grosse catégorie bio. Pas que le cuivre, il n'y en a pas beaucoup. De l'orient. Comme ça, voilà, quand je fais mes sessions farm maintenant, j'ai tout qui est à portée de main. J'ai pas à me prendre la tête. Tout est rangé proprement. C'est nickel. Donc, ici, en attendant, on va ranger tout ça. Il faut encore un peu de, titane. Ton logo de signal que tu as reçu n'est pas comme les autres. C'est vrai? Attends. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Artefact, architecte, x3. Ouais, on va y aller après, de toute façon, ça presse pas. Je me presse plus, là. J'étais en PLS au début de mon aventure, parce que, voilà, je comprenais pas pourquoi je trouvais pas le recycleur et tout ça. Mais là, ça y est, maintenant, je suis vraiment en mode... Là, je profite de l'aventure et je cherche pas à rusher le jeu ou quoi que ce soit. Ce que je voulais vraiment, c'était avoir la possibilité de pouvoir, du coup, être tranquille pour mon exploration. Et pour ça, moi, la priorité, c'est d'avoir la possibilité, du coup, de vraiment respirer longtemps, quoi. Hein, d'avoir une grosse bouteille d'oxygène, d'avoir le recycleur. C'était pas le cas au début de l'aventure, du coup ça me mettait très mal. Mais là c'est bon, maintenant c'est... C'est tranquille. Plus de stress. Tu as le MK2... Pas encore.
Et en fait, je cherche une plante pour pouvoir fabriquer le MK2, je te montre laquelle c'est. Après, me dis pas où c'est, hein, sinon tu vas te faire tu vas te faire bannir, poulet. Faut éviter de spoil si possible. Mais là, en fait, actuellement, je suis à la recherche en fait d'une plante que j'ai pas trouvée encore, dans aucun biome. C'est, j'appelle ça du coup la chips de betterave. Putain, mais elle est où la chips de betterave? Là! La chips de betterave! J'arrive pas à la trouver, c'est la spiralière coupée. Je sais pas où c'est. Donc on verra, écoute, on finira par en trouver. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas trouvé encore. Ton logo de signal que t'as reçu n'est pas comme les autres. Au pire, va, tu fais simple, tu plantes, pas de plantes. Ah oui, c'est cette plante, bonne chance. Oui, on m'a dit qu'apparemment, j'ai vu un message comme quoi apparemment elle était assez compliquée à trouver. Ouais. Bon, on finira par tomber dessus, écoute. De toute façon, voilà, on explore vraiment tous les biomes là, de A à Z. On prend notre temps, il n'y a pas le feu, c'est cool. J'ai cru comprendre que l'aventure durait... ta première aventure dure une 50 à 70 heures. Je pense quand même avancer quand même bien. Ayant quand même une bonne expérience sur Subnautica 1, même si les deux jeux sont différents. Les deux jeux sont complètement différents. Attends, on va mettre ici... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bio. Les œufs, on va les mettre... On va faire deux catégories d'œufs. Ah, tac, on va mettre les œufs ici. Ici, on fait bio. Bio. Catégorie titane, là. Tu peux encore en faire ou pas? Ouais. Allez, un petit dernier. Pas assez? Pas grave. Tac. Donc ça va dans bio. C'est des graines. J'ai pas besoin d'avoir les deux. Une seule suffira. Ça pourra servir du coup si on fait des explorations. Même si ça périme. Ça a même pas... Ah si, si. Ouais, il faudra faire attention. Donc ça, c'est bien. Si jamais je fais des explorations du coin extérieur, ça peut être hyper utile. Donc il faudra qu'on plante cette plante. On va mettre le jeu en jeu, planter une plante. Bref, à l'aide, ça me trigger en fait de dire ce genre de phrase, en fait ça me trigger tellement. Faudra qu'on la plante, voilà. L'histoire de récupérer donc les fruits de l'an dernier. Et donc ça pourrait être utile. Hein. Ça, on récupère du coup de la chaleur corporelle, ça pourrait être grave utile. Ça nous éviterait une mort certaine. Encore des diamants. Qu'est-ce qu'on a là du coup? On a un sac gélatineux, mais on s'en fout un petit peu hein, du sac gélatineux, c'est pas grave. Ça c'est bio, c'est bio. Ah oui, je voulais faire une catégorie craft aussi. Une catégorie craft, une catégorie rare. On a quasiment terminé, mais je pense qu'on va repartir en exploration rapidement là quand même. Ça je le prends avec moi, je vais le manger. Un œuf de créature. Ouais, si on pouvait récupérer tous les autres créatures, ça pourrait être cool. C'est bio. Ça, c'est miam. Ok. Cristal l'uranite. Les cubes ioniques. C'est quoi la chaleur corporelle? Ça sert à quoi? Alors, en fait, quand tu te retrouves à explorer à la surface certaines zones polaires, tu vas avoir très froid, en fait. Si tu as rien pour te réchauffer dans la zone, si tu prends ces graines avec toi, ça va te permettre justement donc de pouvoir donc remonter ton niveau de chaleur. Ton niveau de chaleur en fait qui diminue, tu vois, comme ton oxygène, c'est pareil. Si à un moment donné t'as vraiment trop froid, bah tu vas rentrer en hypothermie, tu vas mourir. C'est plutôt bien foutu, non? C'est plutôt cool. Donc on a dit qu'on faisait quoi? Il faut qu'on fasse un fabricateur, si possible, un fabricateur dans notre aquatracteur. Magnétite. Uraninite.
Et si on va garder les cubes ioniques, le nickel, c'est pas grave. On est en dèche de titane. Mais genre grave en dèche de titane. Ça part tellement vite. Comme d'hab. C'est toujours la même histoire. Et encore, que maintenant, en fait, il nous faut que 5 morceaux de titane pour faire un lingot de titane. Du coup, c'est quand même un petit peu plus simple. Donc là, il va falloir qu'on aille récupérer du titane. Pas le choix. Alors, l'avantage, c'est que... Vous vous rappelez, juste avant de partir, ce que j'ai fait. Il faut que j'arrive à le retrouver, par contre, ça va être chaud. Souffre. Ah, mais attendez, il y a cette catégorie-là que j'ai pas changé. Ah, mais je voulais... Il y a le vert aussi, il faut qu'on fasse 2 catégories pour le vert. Donc ici, on va mettre tout le titane. Ici, on va mettre la catégorie pour le vert. Et ici, on va mettre la catégorie pour le craft. Et on sera bien comme ça. Ici, on va renommer ça craft. Ah, craft et craft. J'ai la puce du coup, voilà. Salut Mika, ça roule poulet? Tu vas bien? Varg, il est temps de sauvegarder. Oui, Motep! Je sauvegarde immédiatement. Je m'équipe de la puce. Ça fait tellement mignon quand tu dis, quand je dis ça. Je m'équipe de la puce. Dieu, la vache, ça fait trop là quand même. On va pas regarder sur la gauche sinon on risque d'avoir des migraines, hein. C'est vrai que ce biome je l'ai pas fouillé plus que ça. Il y a peut-être des choses encore à récupérer par ici là, juste là. Oh la, la vache, de tout ce qu'il y a, c'est dingue. Non mais il y a trop de trucs là. Pas possible. Enfin, notre Runsonautica en direct du Mont Laurier Québec. Merci de passer sur les lives, Paulet, ça fait grave plaisir. J'espère que tu vas bien. Et merci de suivre l'aventure Sonautica, mon Paulet, vraiment. Merci à toi. Ici, les minerais de galène sont pas simples à trouver. Hein. Ça se confond un petit peu avec l'environnement. On a du mal à les voir. Voilà, donc pourquoi récupère-t-on des minerais de galène? Parce qu'on veut aussi récupérer un peu de plomb. J'ai besoin de fermer du plomb. On va commencer à être en galère d'oxygène. On va récupérer du coup la petite plante là-bas. La plante juste là, nickel. C'est quoi tous ces minerais de galène là? T'as vu, il y en a plein, hein, c'est incroyable hein, tout ce qu'il y a. Pourquoi il faut du plomb? La vache. Oh non, il y a trop là. En fait, il y a trop d'informations. Ben voilà, Imhotep, trop bien. Ça y est. Varg, il est l'heure de se regarder avant de tout perdre. C'est vrai. Oh, en fait, il y a... Non mais, c'est débile, il y en a tellement que je vois pas. C'est... Ah non, vas-y, tu sais quoi, ça va saouler. Ça va saouler. C'est en train de me donner mal au crâne, là. 30 seconds of oxygen remaining. En vrai, pour les trucs rares, ok, mais là, non. Non, non, c'est pas possible. Quand il y a trop d'infos, là, c'est pas... Non, non. Oxygen. Monsieur Kirlin Kitsu! Comment vas-tu, Kiré? Ça roule, Paulette, tu vas bien? Back home, en récupérant du coup un maximum de minerais si possible. Petit pochon.
Notre objectif, c'est récupérer deux de cuivre, c'est cool, bien. Attention aux petits singes en dessous, hein, qui ont tendance du coup à te taxer ton scanner et autres équipements. Bon, en tout cas, je kiffe l'aventure, hein. Je vous le dis les amis, vraiment, je me régale, c'est vraiment... Là, on est vraiment dedans à 200%, là. Par contre, ça serait bien qu'ils nous donnent le recycleur dès le début, hein. Ah, pour baisser l'information importante. Donnez-nous le recycleur dès la première heure de jeu, s'il vous plaît, hein, parce que putain. En vrai, on pourrait voter pour ça. Hein. On va voter pour qu'il y ait ce changement dans le jeu. Hein, qu'on ait le recycleur direct. Welcome aboard, Captain. Back. Alors. Un goût de titane. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Alors, je vais continuer du coup de construire mes armoires. Mais je vais juste en mettre une de plus, c'est tout pour l'instant. Voilà, toutes ces armoires-là, on va les rename titane. Voilà, ça c'est cool. On a rename tout ça titane. Je vais garder le titane qui me reste parce que je veux construire des améliorations pour mon tracteur. Alors module de fabrication. Oui. Il nous faut 3 de plomb. Il nous faut lingot de titane. Il va nous falloir un circuit intégré pour faire le circuit intégré du coup. On a ce qu'il faut. Comme ça. Voilà le fameux circuit intégré. Il va nous falloir donc 2 de lithium pour faire les lingots de plastacier. Voilà, et là on a tout ce qu'il faut. Nickel. Maintenant, on va tout désimpingler. Et je veux un autre module de stockage. Comment vas-tu, Kiré? Ça roule quoi, mon poulet? Tu vas bien? Module de stockage, module de fabrication. Maintenant, tu ne l'appelleras plus l'aquatracteur, mais le minibus. Mais c'est ça, ça va être un minibus maintenant, totalement. On est bien d'accord. Par contre, il faut que je pense à faire un truc, c'est important. Il faut que je pense à recharger mon véhicule. Il reste combien de... 95? Ça va. Je vais même pas me prendre la tête à le recharger, tu sais quoi. Non, non. Il va me manquer un de plomb, malheureusement. Oh, putain... J'ai fouillé un petit peu, j'ai peut-être rangé un de plomb à l'arrache. Par là, non. Oui, c'est bon, j'ai un de plomb. Tout va bien. On va faire le lingot de plastacier. Voilà, on va ranger un petit peu en même temps, passage. Donc ça se craft. On a dit qu'ici on mettrait quoi? On mettrait double rangée de verre, c'est ça? Du verre, craft, ok. Il faudra qu'on bouge donc le soufre de cristallin par contre. Mais plus tard, quand on aura plus de titane, on range le plomb ici. Seek fluid intake. J'ai rangé le plomb, bah oui. Quel boulet.
l'ai rangé ici, c'est ça? Voilà, nickel. Putain, j'avais pile poil ce qu'il fallait, hein, au niveau du plomb. C'est nickel, on dirait un train, ouais. Non mais c'est cool en vrai, c'est sympa. Ça change totalement de ce Nautica, hein. Ce véhicule là, tu vois, il change complètement de ce Nautica, hein, c'est cool. Tac, module de stockage. Pour l'aquatracteur. J'aime bien. C'est propre. Ça fait propre. Alors, comment on s'organise? T'as vu, moi c'est une sale, hein. Comment est-ce qu'on s'organise? D'ailleurs moi j'ai un premier module de stockage. Je vais mettre du coup le fabricateur derrière moi. Non, je vais mettre du coup les deux modules de stockage derrière. Ah putain, il récupère tout. Attends. Il va y avoir un truc ici, non? Ils sont collés quoi qu'il arrive, c'est ça? Ah, tu peux pas les décoller. Est-ce qu'on peut les décoller ou pas, les amis? J'ai pas l'impression qu'on ait la possibilité. Non, tu peux pas. Ça me semble étrange. Tu peux les décoller? C'est vrai? Ah oui, trop bien. Ok, cool. Ok, tu te mets au-dessus du coup pour le décoller, ça marche. Impec. Donc ça, c'est le module. Le module de stockage. Donc on fait comment? Est-ce qu'on met double module de stockage? Oui, on va mettre double module de stockage. On met du coup derrière. Seek fluid intake immediately. Donc il y a la tête de mon véhicule, derrière il y a double station, il y a double module de stockage, pardon. Et après donc il y a le module pour craft. Voilà, c'est bien foutu, hein. Franchement c'est simple et tout, c'est agréable à organiser et tout, c'est nickel. Ah, ça m'étonnait, tu vois, que t'aies pas la possibilité de décoller tout ça. Cool. Il doit y avoir une limite par contre, à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir une limite au bout d'un moment, non? Tu peux pas te... Putain, la taille du truc déjà. C'est un truc de dingue. Mais en vrai, c'est pire que le cyclope, ça. C'est incroyable. Non mais vous avez vu. C'est trop bien. Moi, je dirais d'abord le module de fabrication, puis le module de stockage, puis l'aquarium. Ça devient un vrai camion, va falloir apprendre à manœuvrer. Ça va être chaud, à bientôt, hein. Ça va être compliqué, hein. C'est quoi ce bordel? Je te présente mon véhicule, mon nouveau véhicule. Alors attendez, on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai faim. J'ai très faim. C'est trop bien. C'est abusé. Ouais, c'est un cyclops, quoi. Trop cool, hein.
Donc là, tu cuis ton poisson tranquille. Ok. Ah, t'as un stockage en plus ici. Tu peux stocker ta bouffe. Ok. Vital signs stabilizing. Ouais, là, tu peux mettre une petite réserve de bouteilles d'eau. Tac. Voilà. Si jamais les poissons que t'as, ils te plaisent pas, tu peux les récupérer et après, donc, les remettre dans l'eau. Voilà, et puis je vais essayer de récupérer un maximum de pochons. Et là en fait on peut faire vraiment de très très grandes expéditions. Vu qu'on peut crafter déjà ce qu'on a envie du coup directement via le fabricateur, c'est trop bien. Wait, nomad. Tac. Salut Miss Cookie, tu vas bien? Tu es fort en créneau? Est-ce que j'ai le droit de... J'ai le droit de dire Joker? Coucou Dame Silly! Salut à toi, comment vas-tu? En fait, tu joues à Rotox Simulator, sans nous le dire. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure! Exactement, quand j'ai vu qu'on pouvait donc mettre ces extensions là derrière mon véhicule. C'est ça, je me suis dit, mais attends, c'est Rotox Simulator, c'est incroyable! J'espère que tu vas bien, Silly. Allez, on est à 100%, parfait. La puce sur moi, le pepper cuit. Je vais vider mes poches complètement avant de repartir. Catégorie craft, c'est où déjà? C'est ici? La nouvelle catégorie craft est ici. Donc on va tout déplacer. C'est ici et ici, c'est pas très grave. Ah, j'ai du fil de cuivre, faudra que je pense à l'utiliser. Si t'as un mais là. Nickel. Allez, on repart en mission, les amis. On repart tout de suite en mission. Je vais réparer mon véhicule juste avant, quand même. Ça va super et toi? Mais oui, ça va super, City. Ça va super bien, je te remercie. On s'éclate bien là sur ce Subnautica, c'est vraiment cool. Alors attendez, il y a un biome que j'aurais aimé fouiller, que j'ai pas eu l'occasion de vraiment fouiller. Ici, j'ai fouillé à fond. Donc c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas que j'ai pas fouillé. Voilà, dans cette zone-là, bah, j'ai même pas besoin du coup d'avoir le véhicule. Avec moi là, on va aller fouiller donc ces cavernes. Je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai zappé. Ouais, c'est sûr. L'avantage là en plus. Ah, toute petite cette caverne, dommage. Tu mettrais cette aventure? Oui, on la mettra sur YouTube, Mika. Ouais, ouais. Je pense qu'on la mettra sur YouTube. Bien que j'ai un peu galéré sur les... Alors, les trois premières heures, ça a été. Passer les trois premières heures, après, par contre, c'était vraiment le... on avait un gros problème, en fait, au niveau de l'oxygène. C'était vraiment handicapant. Mais j'avais juste zappé, en fait, une zone et malheureusement, bah... Ça pardonne pas. Tu zappes une zone sur ce petit cas et tu rates des éléments hyper importants. Moi j'attendais en fait, tu vois, des messages radio. Comme dans Subnautica, hein. J'attendais des messages radio, tu vois, avec des indications, tu vois. Là, ici. Il va y avoir des trucs vraiment cool ici, à mon avis.